bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est dimanche, j'ai fait toute ma routine cheveux, routine du visage, bref j'ai lavé tous mes pinceaux donc je me suis pas maquillée pour la vidéo, voilà. Je laisse profiter ma peau, c'est le seul jour où je me maquille pas, donc bon je pense que c'est important. Aujourd'hui trêve de plaisanterie, enfin une vidéo mode on va voir, donc la box Look Hero. C'est la troisième que je commande, ça faisait longtemps que j'en avais pas commandé. Je n'ai rien regardé. Elle est fermée, complètement fermée. Donc on va regarder ça ensemble. Honnêtement, j'ai peu d'espoir. J'ai pris du poids, je n'arrive pas à perdre. Donc on va dire que ça va être la grosse découverte. Rapidement le système, hein, vous remplissez sur leur site internet en fait toutes vos caractéristiques physiques déjà. Et puis ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et puis il y a un personal shopper, voilà c'est là qu'on est, un personal shopper qui choisit vos vêtements. Je crois qu'il y en a 5 dans la box, je ne suis pas hyper sûre, on vérifiera. Et ce qui ne me convient pas en fait, je vais le renvoyer directement au site. Quand c'est la première fois que vous commandez, vous avez, on va dire, le fait que le personal shopper s'occupe de vous qui est gratuit, la prestation est gratuite. Donc honnêtement, j'ai changé d'adresse mail pour l'avoir gratuite. Voilà, il y en a qui font ça pour les box bouffe. Hop là. Donc on est parti, j'espère que c'est de saison. J'ai un peu peur pour tout. Allez, go. Ok, donc on a, je vois déjà un imprimé fleur... ça c'est printemps. Moi je trouve que ça fait, me dis pas que c'est des manches longues. Ah putain, je commence déjà à râler. Alors ça tu vois, c'est pas un truc que je pense à dire, mais les manches longues c'est pas mon truc. Si j'ai froid je rajoute un gilet ou quoi que ce soit. Et voilà, ça y est, c'est parti, je râle déjà. Look Hero, ici on a une petite enveloppe où on doit avoir normalement des exemples de look et puis les prix. Donc je regarde pas, donc voilà, vous avez des trucs comme ça là. Et puis voilà, qu'est-ce qu'elle m'a marqué, je regarde pas les prix, on regardera après. Bienvenue chez Look Hero, je suis Alice, votre personal shopper, prête à démarrer l'expérience. Je vous passe un peu les trucs. Ah, je lis pas parce qu'elle dit ce qu'elle a mis. Donc la première chose c'est ceci. Donc c'est une blouse qui est super épaisse. Moi il faut savoir que je suis cardiaque, donc j'ai chaud. J'ai chaud. Par contre ça, je regarde pas ce qu'il y a en dessous. Donc j'ai chaud. Donc là on a une blouse. Franchement elle est jolie. On a un petit effet frou-frouté sur le haut du col. De l'encolure plutôt, parce que ce n'est pas un col. C'est la marque Night of Navy. Et c'est une taille 46, ce qui paraît logique. Et j'avais précisé que j'avais les hanches très larges pour avoir des choses très amples. Donc on va voir. Et là, je vois que ça se resserre. Et ça se resserre où, ça? Comment il peut me rester si peu de tissu? Ah, je râle beaucoup. Bienvenue. Vous vouliez votre vidéo mode? Vous l'avez. Voilà, ce qui est compliqué, c'est que j'ai une morphologie qui est la mienne, on va dire, qui est très particulière et les gens ne peuvent pas deviner. Donc en soi, honnêtement, c'est joli. Par contre, c'est épais, quoi. C'est épais. Et moi, je risque, là, à la saison où on est. Bon. On continue, deuxième article. On a un t-shirt. Alors ça, j'aime. Ça, j'aime. Noir, brillant. Donc un t-shirt, je prie pour qu'il m'aille, taille 46, c'est la marque Night of Navy encore, et c'est une taille XXXL, bon 46, voilà, somme toute assez simple, tout brillant, ça franchement, j'ai espoir, après je vois un pull, alors là, c'est même pas la peine que... Putain, j'étais persuadée. Non, mais ils sont sérieux, Look Hero? C'est quoi, c'est un pull en cachemire? Oh, il fait 25 degrés dehors.
C'est la marque Vera Moda. Un beau pull en taille quoi? 46 aussi, j'imagine. Alors ça, je vais l'essayer, mais je sais déjà que c'est un fail. Alors déjà, il est super doux, il est beau, il est beau. Il ne va pas m'aller et surtout, mais il est super épais. Il est super épais, ça c'est... Non, non. Et encore un pull. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, me dis pas que c'est une robe moulante. Non, c'est un gilet. Alors en soi, le coût du gilet, oui. Mais alors de cette couleur, pourquoi? C'est manche courte, ça je dis oui. L'idée manche courte, le gilet comme ça, long, ça je dis archi oui. Mais pourquoi gris? C'est moche. Enfin, moi je trouve ça pas beau. Ça me fait penser au survêtement, à la jogging. Donc ça, alors je sais que dans les commentaires, il y a un gars, ouais, tout le temps en train de râler et tout. Je râle si je veux. C'est moi qui vais acheter ou pas. Je râle, je dis ce que je pense. Peut-être un peu trop, mais en même temps, je suis pas sponsorisée pour la vidéo. Hein. J'ai payé moi-même et je vais payer si je prends. Donc je dis ce que je veux. Et d'ailleurs, je suis convaincue pour les jeunes femmes qui n'ont pas de soucis de morphologie particulière, ça doit être super. Alors, ça c'est le prix, 50 euros. Je vous ai pas dit les prix des autres. Size 4XL, donc je sais pas ce que c'est comme taille. Là, il y a marqué M. C'est pas M. Donc ça, why not? Mais la couleur, je suis déçue quoi. Je suis déçue de la couleur, vraiment. Ouais, je suis déçue. Bon, à voir. Et on a un jean. Voilà, tout s'est cassé là. Et donc on a un jean de la marque Biyous. C'est un régular. Un slim fit régular. Et j'ai tout de suite regardé la composition. Alors il a rien de. Il a absolument rien de particulier. À part un fil. Ici, il a rien, rien, rien de particulier. Il a même pris plutôt les pluches des pulls et tout. Ça a l'air de la bonne qualité. Je veux la compo. Je leur ai précisé que je mettais que des pantalons avec de l'élastane. Là, il y en a, c'est sûr, mais combien de pourcentage? Ben, il n'y en a que 2%. Et du coup, là, ça va être très compliqué. Je ne sais pas quelle taille c'est. Si c'est un 46, c'est sûr que je ne vais pas rentrer dedans. Parce que je rentre dans les 46 de chez Bréal, mais il taille grand. Donc là, je n'ai pas la taille, mais honnêtement, j'ai très peu d'espoir. Et le jean, il coûte 39,95 €. Et ça, c'est con, parce qu'il n'est pas cher. Et ici, j'ai donc directement, en fait... Pour renvoyer tout ce que je ne prends pas, le pull, c'est sûr que je vais pas le prendre. Ah, faut jamais dire ça, mais bon, on sait jamais. Hop, je remets tout là-dedans. Parti. Alors, je vais commencer par mettre le jean. Si ça passe pas, je mets un jean à moi pour faire le reste du look, parce que sinon, on fait comment, hein? On fait comment? Alors, contre toute attente, j'ai fermé le pantalon. Donc. Je répète, il fait 39,95 €. C'est un, là, il y a marqué Skinny 4XL noir de la marque Biyous. Franchement, je suis un peu serrée dedans, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Mais alors, le t-shirt, rien à voir, c'est chez nous. Mais honnêtement, c'est pas si mal. Alors, bien sûr. Je l'ai retroussé deux fois parce que ben, je fais 1,55 m. Et j'ai mis mes petites chaussures Caporal. Allez, je vais tester avec le t-shirt que j'ai espoir qu'il m'aille. Franchement, j'ai trop espoir. Alors, bien entendu, il est trop petit. Il colle complètement mon corps. Donc, c'est soit je le rentre à l'intérieur ou je le tourne. Ah, je suis dégoûtée parce que
J'aime bien. Après, je pense qu'il tient. Honnêtement, je pense qu'il tient chaud. Et comme j'ai chaud facilement. Mais pas mal. Je vais le rentrer dans le pantalon. Alors, le t-shirt Night of Navy, t-shirt neck shine XXL, 34,99€. Donc, bien entendu, je ne vais pas sortir comme ça. Parce que l'idée du look qu'elle a pensé, franchement, me plaît. Maintenant, elle ne connaît pas ma morpho. Je comprends le délire. Donc, je vais prendre le gilet. Donc, j'attrape le gilet. Qui est peut-être trop grand pour le coup. Eh oui, je suis faite bizarrement, n'est-ce pas? On a la taille marquée. Petite ici. Et puis, bah, épaisse. Donc, le gilet, je pense, est 10 fois trop grand. Le gilet est 10 fois trop grand. Mais je comprends son idée de look. Enfin là, je vois pas, mais quel dommage. Les poches sur les hanches, c'est non. Donc, honnêtement, je suis un peu perplexe. Il est peut-être pas si grand que ça. Parce que je me vois pas, moi. Il n'y a que vous qui voyez. Là, par contre, on a bien le ventre. Il est trop long. Je suis vraiment petite. Il aurait été bien en arrivant, voilà, à peu près à ce niveau-là ou là. Là, c'est trop long. C'est dommage parce que c'était une bonne idée. Je vais essayer avec le pull maintenant. Je vais mettre le pull par-dessus. Alors, le pull XXL, c'est Vera Moda aussi. Combien il fait? Il fait 24,99€. Ah non. Ça paraît bizarre, mais à vérifier. Alors honnêtement, super agréable. On ne peut pas dire qu'il ne maille pas, n'est-ce pas? Maintenant, ben, ça colle un peu quoi. Mais qu'est-ce qu'il est beau par contre, il fait vraiment celui-là. Il est vraiment très très beau quoi. D'une douceur, mais pour l'hiver. Pour l'hiver, bah franchement, il est beau. Maintenant, là, ça va pas être mon kiff. On va essayer la blouse pour voir si on arrive à faire un autre look, n'est-ce pas? Ok, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui va dans cette sélection, à part l'harmonie et tout, ok. Sinon, bah, c'est trop serré, c'est trop long. Donc soit plus court, maintenant je porte des tours plus courts. Pourquoi il y a ça? Ma taille, elle est plus haute. Enfin, je... Là, j'avoue... Non, c'est un gros flop. Un gros flop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, dites-moi, mais moi, je valide pas du tout. Donc la blouse, elle est à 44,99€. Voilà, on se retrouve pour le bilan. Bon, déjà, j'ai super chaud, du coup. Bon, honnêtement, ça va pas du tout. Je comprends pas le délire de cette personal shopper. Bon, pour les tailles et pour le fait que ce soit collant et tout, elle peut pas le deviner. Donc ça, ok. Comment tu me mets un cardigan et un pull au printemps? Enfin, je veux dire, mais à un moment donné, et ce cardigan, il n'y a rien qui va en fait, c'est ça le truc. La blouse, trop serrée, et moi, je trouve pas que ce soit... pour moi, c'est automnal, ça. C'est pas printanier. Après, chacun ses goûts. Mais en plus, enfin, je veux dire... ok, j'ai dû mettre que j'aimais bien le noir, mais le but, c'était qu'il me donne des choses dont j'ai pas l'habitude. Le pull, honnêtement, il est doux et tout, mais il ne me va pas du tout. Moi, j'achète pas ce genre de truc, il est trop épais, il faut des choses plus légères, plus fluides. Donc ça va pas. Le gilet, 10 fois trop grand. 10 fois trop long, par contre. 10 fois trop long. Dommage. Belle idée, mais trop long. Alors, il n'y a que le jean qui, finalement, aurait pu être bien, mais il est très épais. C'est pas un jean d'été. C'est pas un jean de printemps. Je reviens toujours au jean Bréal qui coûte... Celui-là, il est pas cher, pour le coup. J'ai hésité 4 secondes, parce qu'il est vraiment pas cher. C'est Lola Slim Fit.
Outre le fait qu'il soit un peu petit, mais ça c'est un détail, on va dire, il est hyper épais. Même en hiver, je mets des jeans fins. Parce que ben, je suis plus à l'aise dedans, c'est plus souple. Honnêtement, vu qu'il n'y a que 2% d'élastane, c'est pas mal, c'est pas mal. À ma taille, il aurait été complètement à ma taille, je l'aurais peut-être pris. Mais bon, là, j'ai pas envie de prendre un jean d'hiver. Enfin, ceux que j'ai actuellement, ils sont plus légers, donc je vais pas le mettre celui-là. Non, mais là, c'est pas la première fois sur les 3 box que j'avais eues. Je crois que la première, pareil, on avait un problème de saison. On avait un problème de saison. Le petit t-shirt, je l'aime bien, mais il est trop long et trop serré. Mais je l'aime bien. Du coup, je sais pas. Je pense que je sais pas du tout combien il fait le t-shirt. Le t-shirt, il fait 34,99 €. Le problème, c'est que c'est pas... J'aime bien, il y a des fils un peu bleus dedans. Vraiment, j'aime beaucoup. Je sais pas si on voit la maille. Mais pareil, c'est une matière qui est chaude aussi. C'est pas un truc... Ça, tu mets le soir, quoi. Tu mets le soir, tu mets pas la journée. Moi, j'ai chaud, je vous dis, j'ai chaud. Là, j'ai chaud, je vous ai fait la vidéo, j'ai chaud. Non, mais c'est un gros flop. Je crois qu'à chaque fois, quand même, j'avais pris au moins un article. Là, définitivement, donc il y en avait pour 190 € si je prenais tous les articles. Mais malheureusement, là, c'est un gros fail. Je vais tout renvoyer. Je vais tout renvoyer. Dans la commande, dans la box, en fait, je valide 2 trucs seulement. C'est le jean et le t-shirt. C'est tout. C'est les seuls trucs qui auraient pu... m'aller et me convenir, mais il y a tous ces petits trucs qui font que ça ne convient pas. Et même s'il est pas cher le jean, vous avez compris, ben je vais pas le prendre parce que je... Voilà, c'est un gros flop, hein. cette vidéo Look Hero, je pense définitivement que Look Hero n'est pas fait pour moi. J'ai une morpho qui est très particulière, j'ai des besoins qui sont très particuliers, tout le monde n'a pas chaud. Voilà, ou trop froid l'hiver, ou enfin voilà, je pense que je suis pas faite pour ça. Dommage que ça te permette de découvrir des produits qui sont quand même un peu mieux que Shein, hein, faut dire la vérité. Mais en attendant, ben, sur Shein, je commande exactement ce que je veux. Donc là, j'ai une commande que je dois passer de printemps. Ben, j'attendais parce que je me suis dit, je vais peut-être trouver un ou deux produits perles rares et du coup, j'achète pas. Mais là, honnêtement, non, ça va pas. Donc je vais passer ma commande Shein. Donc bientôt, je vous ferai. Le try-on, je sais que vous aimez ça, sur Shein. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, ça change un petit peu d'habitude. C'est pas les vidéos les plus faciles pour moi, que ce soit physiquement, dans le sens où c'est fatigant pour moi, ça me demande un effort. Et puis j'aime pas trop la montée, puisque je me vois, et je préfère éviter ce genre de choses. Mais bon, pour vous, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Des gros bisous, et oui, j'ai râlé, mais t'adores ça. Salut !